C'est déjà la fin pour Zelda Tears of the Kingdom. Zelda Tears of the Kingdom a été un véritable carton critique et commercial. Le jeu a explosé les records en devenant l'un des plus gros cartons de la Nintendo Switch et accessoirement le jeu le plus vendu de la licence. Il semblait donc acquis qu'il profite de quelques extensions comme son prédécesseur. Eiji Aonuma, producteur de la licence, a répondu sans détour à la question qui brûlait toutes les lèvres. Non, Zelda Tears of the Kingdom n'aura pas d'extension contrairement à ce que laissait entrevoir le site officiel du jeu qui en faisait mention. Une décision justifiée, le producteur, estimant avoir fait le tour de tout ce qu'il pouvait proposer avec le monde ouvert du jeu et la façon dont les joueurs pouvaient s'amuser dedans. Pas de DLC pour Zelda Tears of the Kingdom donc, mais c'est loin d'être la fin de la licence. Eiji Aonuma promet en effet que les équipes en charge de la licence vont faire de leur mieux pour rendre le prochain Zelda encore meilleur. La messe est dite, il faudra donc se montrer patient avant qu'un nouvel épisode arrive. L'attente se fera donc sans aucun DLC pour Zelda Tears of the Kingdom.